nous regarde, c'est un joueur de foot du siècle dernier. Ouais, une époque où on gagnait des coupes en France. Et d'ailleurs, bonne nouvelle Marie, j'ai fait un calcul incroyable, et sache que c'est officiel, on peut coucher avec les enfants qui sont nés en 98. Vous avez envie de dire un petit mot, vous dites un petit mot, sinon on peut passer... Je ne sais pas. Ouais, écoutez, dans ce cas-là, j'ai la liste des nommés. Je ne sais pas. Vous êtes content d'être là? Non, mais je suis très très content d'être là. Et en fait, pourquoi je suis content d'être là? Parce que, en fait, je pense que très souvent, on ne s'en rend pas compte, en fait, qu'on a des préjugés parce que c'est lié à nos cultures. Moi, je suis né aux Antilles. Donc, effectivement, une culture extrêmement homophobe. Et maintenant, je vais dans les écoles et j'explique aux enfants le poids de nos conditionnements. C'est-à-dire que parfois, ce poids vient aussi de la religion. Et donc, on peut être libre. Et c'est pour cela que je dis aux enfants, faites bien attention. Lorsqu'on dit que vous avez un problème, sachez que c'est les autres qui ont un problème. Et dernièrement, j'ai reçu une lettre d'une jeune fille que j'avais visité dans une école en me disant « Voilà, monsieur Thuram, après votre rencontre, je suis rentré à la maison. » Et j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel. Et je leur ai dit exactement ce qu'on m'avait dit en leur disant « Voilà, moi, j'ai pas choisi votre sexualité. Pourquoi vous voulez choisir la mienne ?» Et je trouve que dans la discussion, dans le fait d'être ici aujourd'hui, ça permet aux gens de changer leur conditionnement et changer leur imaginaire et d'accepter, en fait... Ben, l'égalité, tout simplement. Donc voilà. Alors, dans la catégorie outdoor du documentaire, les nommés sont Devenir il ou elle, Lorraine de Bézieux et Lise Barnet, vous diffusez sur France 5. Régina Abadia sur Arte. Le désir fond des ordres de Charlotte Bien-Aimée sur France Culture. Faut pas que je me trompe parce que ça arrive parfois. Alors, devenir il ou elle. Ce prix, je ne m'attendais pas trop. Je voudrais vous dire que quand le film a été diffusé sur France 5, j'avais très très peur des réactions du public. J'avais peur d'une réaction terrible. Juste pour ouais. Et en fait, le film a été très bien reçu. Il y a eu une audience assez extraordinaire. Et à ce propos, France 5, qui l'a programmé à une heure de grande écoute, à 20h30, c'était vraiment un engagement de leur part. Et ça permet de faire tomber un peu les stéréotypes. Et je voudrais vous dire que j'ai été très impressionnée par le courage de ces jeunes qui sont dans mon film. Je les présente. Que capter une parole et leur combat. Et eux, ils sont formidables, ils ont un courage extraordinaire et ils ont eu envie de communiquer. Ils vont vous dire un mot ce soir. Voilà, ils ont préparé quelque chose. Bonsoir. Je suis un peu stressée. Alors, je voudrais dire que je suis très contente de l'impact qu'a eu le documentaire et que ça permette de donner de la visibilité aux jeunes transgenres. Voilà. Bien, je
suis très contente d'avoir pu participer à ce reportage et de voir l'accueil si positif qu'il a reçu. Et bien qu'il reste encore un grand chemin à parcourir, voilà, je suis ravie que les choses aient pu évoluer. En disant que, enfin, quand le film a été diffusé, il y a plein de gens qui sont venus nous dire ah ben depuis que le film est sorti, je parle enfin à mes parents ou je peux enfin parler à mes grands-parents et il y a un dialogue qui est renoué. Donc rien que pour ça, on est super fiers d'avoir fait ce film. Merci beaucoup. Bravo.